Alors, poser sa voix, je dis souvent que la voix se pose comme le corps se pose. Au fond, c'est comprendre que la voix est un geste. C'est un geste invisible, mais c'est un geste. Et pour qu'un geste soit tonique et qu'il puisse comment dire, être performant, ben, il faut un appui. Comme quelqu'un qui veut danser, qui veut sauter, qui veut jeter quelque chose. Donc, c'est l'idée, effectivement, qu'il faut déjà se poser pour rebondir. Donc, c'est pour beaucoup de gens, déjà, la notion de poser la voix, c'est déjà la notion également de se poser dans la confiance, dans la solidité, dans la tonicité, on va dire. Et ensuite, bien sûr, à partir de là, on développe toutes les notions qui sont aussi bien des notions de qualité vocale que des notions de qualité d'expression, à travers une bonne diction, etc., etc. Alors, la diction, c'est comment dire, la meilleure manière de dire de manière économique et en même temps efficace pour que les gens me comprennent. Quand je dis économique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire de l'articulation ou de faire des efforts. C'est normalement comment dire, c'est la normalité d'une expression bien développée, c'est-à-dire avec des consonnes et des voyelles, des syllabes, des mots bien dessinés. D'accord? Bon. L'intonation, c'est effectivement le ton que je vais donner selon mon humeur, selon mes sentiments. Si je suis content, est-ce que je vais l'exprimer? Si je suis triste, je vais le dire. Si je suis grave, ou si j'ai envie d'avoir de la pêche, je vais varier le ton. D'accord? Le phrasé, c'est la notion de rythme qu'on comprend. Comment dire, en contradiction avec la monotonie. Quelqu'un de monotone, c'est souvent quelqu'un qui parle avec une voix à peu près égale, comme ça, qui dit, bon, maintenant je vais vous parler de la voix, si vous êtes d'accord, nous allons d'abord aborder. Bon, d'accord? C'est de manière égale, il n'y a pas de rythme, etc. Donc le phrasé, c'est une manière de donner de la pêche aux mots. C'est donner de l'énergie, par exemple, je vais vous donner, je vais vous dire. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Bon, je l'ai dit d'une manière. Et maintenant, je vais insister sur rien ne sert de courir, il faut partir à point. J'ai mis un phrasé, j'ai mis une intention. Et de la même manière, si je dis rien ne sert de courir, il faut partir à point. J'ai phrasé autrement, tu vois? Donc, c'est une façon de faire vivre la phrase en lui donnant comment dire, ou du rythme, ou des coupures, ou des accents différents. La voix, en fait, je dis souvent que la voix, c'est notre corps invisible. On revient à la notion d'image. On est habitué à se voir physiquement, donc à décrypter les autres. On oublie que la voix parle à l'intime conviction. C'est-à-dire que quand on entend quelqu'un, sans s'en rendre compte, on entend sa confiance, son énergie, il est en forme, il n'est pas en forme, on entend son éducation, on entend sa culture, on entend beaucoup de choses qu'on ne relève pas sur le moment, mais qui sont là. Bon. C'est encore plus vrai, par exemple, avec le téléphone. On appelle un ami au téléphone, allô, comment tu vas? Et puis il dit, ouais, oh, ça va. Et puis dans le, oh, ça va, ça, pas tant que ça, quoi. Et ça c'est en 2 secondes, quoi, on entend ça. Donc, c'est comprendre que même si on n'y fait pas attention, notre propre voix ou la voix des autres va directement, comment dire, à l'intime, quoi, entre directement et est perçue par un autre sens. Encore une fois, ce qu'on appelle le ressenti ou l'intime conviction. Et c'est vrai que 3 ou 4 personnes qui se présentent à, par exemple, un entretien d'embauche, il y en a
trois, s'il y a, il va y en avoir les trois sur quatre qui vont pas être sûrs d'elle, qui vont hésiter, et le recruteur l'entend. Puis il y en a un qui est bien dans sa peau. Ils ont dit la même chose, ils ont le même niveau, mais il y en a un qui dégage quelque chose et les autres, qu'on ne sent pas trop, quoi. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose à faire avec la voix. Alors, c'est terrible à dire, mais je m'adresse à peu près à tout le monde aujourd'hui, quoi. J'ai commencé par, longtemps en arrière, faire travailler des comédiens, des chanteurs. Je venais moi-même du chant. Puis après, j'ai fait travailler les animateurs et les journalistes de Radio France. Et puis, petit à petit, je me suis dit, mais finalement, il n'y a pas que les journalistes. Il y a tellement de gens qui utilisent leur voix. Donc, j'ai pensé aux conférenciers. Puis les conférenciers m'ont amené vers les responsables, les dirigeants, les cadres. Et puis, après les cadres, effectivement, il y a tellement de métiers qui sont associés à la voix, que ce soit l'accueil, que ce soit le téléphone. Donc je fais travailler aussi bien l'étudiant, il n'y a pas longtemps je faisais travailler un jeune homme qui préparait un doctorat, je fais aussi bien travailler l'étudiant qui prépare un oral, bac ou plus tard, que là aussi donc le postulant à une fonction qui va passer devant un recruteur ou devant un jury, que le cadre, et actuellement je rencontre beaucoup de cadres qui, vers la quarantaine à peu près, se retrouvent un petit peu broyés par la surchauffe sociale. C'est-à-dire la surchauffe sociale, c'est-à-dire qu'on demande aux gens de plus en plus professionnellement, mais de plus en plus également en qualité humaine, d'être empathique, charismatique, d'avoir du leadership, etc. Et il y a des gens qui, à un moment donné, butent parce qu'il y a une forme de réserve, de timidité, à qui on dit « Ah non, mais vous êtes vraiment quelqu'un de très très bien, il n'y a pas de problème, mais vous voyez, il faudrait être plus agressif et ce n'est pas pour vous, ou bien il faudrait avoir plus d'autorité. » Mais donc, je fais travailler les cadres et je fais travailler, bien sûr, des dirigeants qui ont eux-mêmes alors une charge très importante à emmener des équipes ou à emmener une entreprise, que ce soit à travers de la communication interne ou à travers des conférences ou des conventions qui sont données, que bien sûr des dirigeants politiques par rapport à une élection ou simplement être efficace dans son propre discours. Et tous les métiers dépendants de la voix, aussi bien les conférenciers que les téléconseillers, etc. etc. Au fond, tout ce qui relève, pour faire court, de la communication aujourd'hui.